Parmi tous les animaux qui peuplent les océans, il y en a malheureusement quelques-uns qui provoquent une véritable phobie chez différentes personnes. Car une fois dans l'eau, on peut se faire toucher par des trucs gluants, rencontrer des animaux peu farouches, ou encore se faire piquer par une quantité assez impressionnante de bestioles. Et tout ça, ça se regroupe dans ce qu'on appelle la thalassophobie, à savoir la peur de l'océan, et non celle de l'émission de France 3. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Alors oui, des choses qui peuvent vous faire peur dans l'eau, il y en a un paquet, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une famille d'animaux qui généralement fait l'unanimité quant à son caractère intimidant. Je veux bien sûr parler des méduses. Pouvant transformer une simple baignade en un calvaire douloureux, ces animaux font clairement partie des choses dont l'humain aimerait se passer. Surtout qu'on les retrouve à travers toute la planète sous une myriade de formes et de couleurs différentes. Ces animaux, ils font partie de ce qu'on appelle les cnidaires, des organismes majoritairement composés d'eau. L'eau, c'est important. Et de cellules urticantes. Des cellules urticantes qui sont très souvent relativement inoffensives, mais qui parfois, le sont beaucoup moins. Cela s'est notamment illustré lors d'un accident survenu le 19 juin 1997 près du quartier de Waikiki, situé sur la côte est de l'île d'Hawaï. Une femme, appelée Angel Yahanigara, qui nageait à quelques mètres de la côte, a soudainement été prise de vives douleurs au cou, au bras et même aux chevilles. Réussissant à revenir sur la plage sans se noyer, cette personne finit par perdre connaissance sur le sable avant de se réveiller, prise en charge dans une ambulance. Angel passa alors les jours qui suivirent à avoir des nausées, des insuffisances respiratoires et d'atroces douleurs là où elle s'était fait piquer. Car cette personne venait de survivre aux piqûres de l'une des méduses les plus dangereuses au monde, à savoir la méduse boîte. Alors ce terme, quand il est connu, il fait généralement trembler, car ici on parle de l'un des groupes d'animaux les plus mortels au monde, dont le représentant phare est souvent la méduse Chironex fleckeri, découverte seulement en 1956 par Ronald Vernon Suscott, qui d'ailleurs, dans l'une de ses publications, titre « Oui, alors nous avons découvert une nouvelle espèce de méduse apparemment dangereuse pour les humains, alors que ce truc, il peut vous tuer en quelques minutes. » Cependant, les méduses boîtes regroupent en réalité un large groupe d'espèces appartenant à la classe des cubozoa, et qui heureusement ne sont pas toutes aussi dangereuses que Chironex fleckeri. C'est d'ailleurs pour ça que Angel Yahanigara, notre baigneuse, s'en est sortie sans trop d'encombre après s'être fait piquer par l'une des variantes hawaïennes. Il faut savoir que selon certaines sources, on estime que près de 150 millions de personnes se retrouvent piquées chaque année par une méduse, et ce, à travers toute la planète. Un chiffre impressionnant, probablement peu fiable, mais qui montre bien qu'on subit les piqûres de ces animaux dans des quantités assez importantes. Et aujourd'hui, on va justement aller traiter du sujet en partant à la découverte d'une limace incroyable et qui peut permettre à certaines méduses de vous piquer par procuration. Alors oui, je sais, quand on vous parle de limaces au premier abord, vous n'allez pas tout de suite avoir des étoiles dans les yeux. Mais je vous rassure, ça c'est uniquement parce que vous ne connaissez pas celles qui vivent dans la mer. Car dans l'océan, il faut savoir que le terme limace regroupe en réalité un large panel d'animaux extrêmement diversifiés et qui prennent vraiment tout et n'importe quoi en termes de forme et de couleur. Par exemple, ça c'est une limace de mer, ça c'est une limace de mer, et même ce truc là, c'est une limace de mer. En fait, concrètement, à partir du moment où tu es un gastéropode sans coquille et qui vit dans l'océan, eh bien félicitations, tu peux rentrer dans le merveilleux bordel taxonomique des limaces de mer. Et cette catégorie est tellement diversifiée qu'il y en a même qui ressemblent à un plug anal. Ah ouais quand même. Alors c'est vrai que j'aurais pu peut-être commencer par me présenter avant. Bah écoute Marie, bon, c'est une manière de s'introduire comme une autre. Alors parmi toutes les limaces cheloues qui vivent dans l'océan, il faut savoir qu'il y en a quand même 2-3 qui sortent du lot, qui méritent qu'on y jette un coup d'œil. Et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'une des plus incroyables en termes de couleur et de forme, celle qu'on surnomme le dragon bleu des mers. Quand on parle de dragon dans le monde marin, on fait généralement référence à 2 types d'animaux qui existent bel et bien, et qui ont fini par obtenir ce surnom du fait de leur apparence. D'une part, on distingue les dragons des mers appartenant à la famille des cygnatinés,
des poissons très proches des hippocampes et dont certains arborent une morphologie feuillue très impressionnante. Une morphologie qui leur sert de camouflage et qui, oui, dans une certaine mesure, justifie qu'on les qualifie de dragons marins. C'est d'ailleurs même pour ça que leurs homologues dans Pokémon possèdent ce type. Et de l'autre côté, eh bien, il existe également une autre classe d'animaux qu'on appelle les dragons marins et qui mériterait tout autant de se retrouver dans une Pokéball. On les appelle les Glaucus Atlanticus. Découverts en 1777, ces animaux insolites aux formes vraiment sorties d'un autre monde sont en réalité des limaces de mer d'à peine quelques centimètres. Mais ce n'est pas n'importe quelle limace, Harry, puisqu'ici, on va parler de nudibranches. Alors, on vient vous expliquer que le terme limace de mer, bah c'est tout simplement grave le bordel. Il faut savoir que ce terme, il est très très ambigu parce qu'il va regrouper en fait plusieurs groupes de mollusques gastéropodes sans coquille, dont les nudibranches. Donc on va les catégoriser en quatre morphotypes différents. Les arminacées, les dindronotacées, les doridiens et pour finir, les éolidiens. Et il existe plusieurs milliers de nudibranches dont l'étymologie du nom signifie « branchies dénudées ». Car en fait, elles ont un appareil respiratoire à l'extérieur de leur corps mou, parfois en forme de petits plumeaux sur le dos. C'est un peu les exhibitionnistes de la respiration aquatique, quoi. Coucou, tu veux voir mes branchies ? Et attention les yeux, car leur diversité de formes et de couleurs est absolument incroyable ! C'est le carnaval de Rio des océans. Alors les nudibranches, elles sont majoritairement benthiques, et ça, ça veut dire qu'elles vont vivre et nager en profondeur, alors qu'une poignée d'entre elles peuvent être pélagiques, c'est-à-dire qu'elles vont vivre à l'inverse, plutôt en surface, et ça, c'est exactement comme Glaucus Atlanticus. Alors le pélagique, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, c'est le compartiment dans l'océan qui va regrouper tout ce qui nage dans la colonne d'eau, contrairement au benthique qui lui englobe tout ce qui va rester sur le fond. Le dauphin par exemple, c'est pélagique, et la descente de Frédéric Vidal, c'est plutôt benthique. Et notre Glaucus Atlanticus, eh ben, c'est une limace qui va laisser la couler douce en surface. Pour ce faire, rien de plus simple. Là où l'évolution de certaines limaces témoigne d'inventivité pour s'adapter morphologiquement et quitter les profondeurs, eh bien notre Glaucus, lui, eh ben, il va avaler une bulle d'air et poup, il flotte sur le dos. Comme quoi, parfois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, et cette flottaison, elle va lui permettre de chasser en surface l'un des pires trucs qui existe sur Terre. Alors déjà, je pense que quand vous voyez ce truc, tous vos cerveaux commencent gentiment à crier danger. Et c'est totalement à raison, parce que ce truc est extrêmement dangereux et surtout sans pitié. On l'appelle la physalie, un organisme proche de la famille des méduses, mais qui est en réalité un siphonophore, à savoir une colonie de minuscules organismes dont certains sont très toxiques. Ce qui veut donc dire que quand vous tombez dessus, vous n'êtes pas en danger contre un seul truc, mais contre une colonie entière. Une colonie qui, quand elle vous touche, peut vous procurer des piqûres extrêmement dangereuses, vous refilant un paquet de symptômes bien vénères, puis aussi, bien entendu, d'atroces douleurs. Et je ne vous dis pas du tout ça, car j'ai été piqué quand j'avais 3 ans au pied droit en Côte d'Ivoire lors du voyage de noces de mes parents, et que la sensation insupportable que ça m'a donnée est encore gravée dans ma mémoire à ce jour. Alors du coup, il faut savoir que cette immondice de physalie, c'est l'une des proies favorites de notre Glaucus Atlanticus, qui va littéralement s'en délecter, et qui n'en a rien à faire de son venin. Ça donne envie d'être un Glaucus, mais en réalité, au-delà d'y être juste immunisé, là où ça devient complètement fou, c'est que notre limace, elle va finir par lui voler ses propres armes. Dans la nature, il existe différents exemples d'animaux qui ne sont pas toxiques à la naissance, mais qui vont le devenir grâce à leur alimentation notamment. Et le Glaucus, c'est un petit peu ça, tout en étant un poil différent. Tout d'abord, pour aller choper de la physalie et d'autres espèces de cnidaires, notre dragon bleu, il va utiliser ce qu'on appelle une radula, à savoir une langue spécialisée et qui se retrouve recouverte d'une quantité très importante de petites dents. C'est un petit peu comme une râpe à fromage, mais pour râper les méduses. Donc vu la tronche de leur langue, je vous conseille pas d'aller leur rouler une pelle. Bah alors du coup, notre Glaucus, hop, il se retrouve en surface, hop, il va tomber sur une physalie, mais ensuite concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors premièrement, à l'aide de sa magnifique radula, notre mollusque va déchiqueter différentes parties de sa victime, tout en évitant de se faire piquer au maximum. Comment fait-il? Eh bien, si je n'ai pas réussi à trouver précisément la réponse à cette question, certains travaux mentionnent cependant différents moyens utilisés par des espèces très proches et qui s'adonnent aux mêmes pratiques, et qui concrètement vont primo éviter au maximum de toucher la proie toxique,
Deux yeux vont posséder des protections sur la peau et autour de la bouche, et puis enfin, sécréter pas mal de mucus. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'après un bon repas sous haute tension, notre glaucus, il va réussir à voler une partie du venin de la physalie, et même à se l'approprier. Le truc, c'est que ce processus, il n'est pas aussi simple qu'une ingestion du venin, puis juste un stockage dans une partie du corps. Parce que là, notre limace, elle vole même ce qui permet d'injecter les molécules toxiques. Pour tout comprendre, il faut s'intéresser en détail à comment fonctionne une piqûre de méduse. Parce qu'en réalité, c'est un mécanisme assez complexe et original dans le monde vivant. En fait, dans une cellule urticante de cnidaire, il y a une capsule qu'on appelle un hématocyste et qui a été un petit peu le summum de l'armement cellulaire. Parce que là, clairement, on a un canon, un déclencheur et un harpon empoisonné qui, lorsqu'il est déployé, peut atteindre la vitesse d'un coup de feu. Donc, si vous douillez lorsqu'une méduse vous pique avec des milliers de cette capsule, ben c'est tout à fait normal, elle est littéralement en train de vous mitrailler dessus. Et là où notre Glaucus atlanticus va réussir une véritable prouesse, c'est que lorsqu'il va manger du cnidaire, eh bien son corps va finir par trier ses capsules avant de les stocker dans une partie bien spéciale qu'on appelle les serrata. Sauf que quand il trie et intègre ses capsules urticantes, eh bien celles-ci sont encore fonctionnelles. Du coup, à travers son repas, cette limace s'accapare à la fois une cartouche à venin très dangereuse, mais aussi le fusil qui va avec. Sauf qu'en fait, cette histoire de venin volé et de piqûre par procuration, eh bien, il faut savoir que c'est encore pire que ce que ça en a l'air. Parce que là, on parle d'un processus qui va stocker des fusils à venin dans le glaucus. Or, cette limace, bah, elle peut manger plusieurs espèces toxiques, et puis elle peut aussi stocker ses fusils relativement longtemps sur elle. Et du coup, il arrive parfois que l'arsenal d'un glaucus se retrouve composé du venin de différentes espèces très dangereuses, et en plus en concentration très importante. Par conséquent, notre bestiole a la capacité de se bricoler un armement potentiellement plus dangereux que celui de tous les trucs dangereux dont elle se sera nourrie au départ. Et c'est marrant qu'on parle de bricolage, parce que les nudibranches en cette catégorie, c'est des super champions. Et les cnidaires comme les méduses, eh bien elles ont su tout simplement séduire nos petits potes à corps mou avec leurs nématocystes qui vont au final leur faire absolument ni chaud ni froid et qui sont à la fois très nourrissant. C'est donc une très belle occasion d'à la fois se faire un petit festin et de l'autre côté de niquer des mères. En gros, bouffer des cnidaires, ça allie l'utile à l'agréable. Alors le plus souvent, les nudibranches, elles vont chasser des anémones, parce qu'elles vivent majoritairement au fond de l'eau. Mais Glaucus atlanticus, lui, il fait son petit dos crawlé à la surface et il va croiser des méduses et des siphonophores. Et du coup, qu'est-ce qui se passe une fois que l'anémone, elle est dévorée? Eh bien, au lieu de digérer les nématocystes, en fait, la limace, elle va les voler pour elle-même, comme le fait Glaucus atlanticus. Et non seulement elle va les voler, mais elle va les séquestrer, ces cellules urticantes, puisqu'elles vont rester là tranquillement à l'intérieur jusqu'au moment où un prédateur va faire un peu trop le chaud et va se faire complètement mitrailler par ces petits organites piquants. C'est un peu comme si elles avaient en permanence un chargeur rempli de cartouches prêtes à tirer. Alors cette capacité à voler des cellules urticantes, il faut savoir qu'actuellement, on ne sait pas encore exactement comment ça marche. Cependant, certaines publications qui se sont penchées sur l'étude de divers nudibranches avancent néanmoins différentes théories. Celles-ci postulent notamment que le corps de ces limaces pourrait arriver à sélectionner d'une manière ou d'une autre les capsules non déclenchées lors de l'ingestion ou encore celles qui seraient trop immatures. Mais ces hypothèses sont-elles valables pour toutes les espèces de nudibranches concernées, pour toutes leurs proies cnidaires dont elles se nourrissent? Et bah là, on sèche encore un petit peu. Et d'ailleurs, il n'y a pas que là-dessus qu'on a des choses à découvrir, puisque niveau toxicologie des méduses, et bah on n'est pas vraiment mieux. Il faut savoir qu'actuellement, un nombre relativement faible de molécules présentes dans le venin de ces animaux a été identifié. De plus, deux grandes zones d'ombre demeurent encore quant au fonctionnement exact de ces composés et comment ceux-ci agissent réellement sur nos organismes. Non, parce que si quelqu'un se met à passer l'arme à gauche à cause d'un animal composé à 98% d'eau, ce serait bien de savoir pourquoi. Or, la toxicologie de ces animaux est en réalité encore un champ de recherche relativement vierge, en comparaison avec la diversité d'espèces présentes dans l'océan, ainsi que celle de leurs venins respectifs. Et ce retard, en matière de connaissances scientifiques, il peut s'expliquer de différentes façons. Premièrement, parce qu'aller chercher des méduses en pleine mer, trouver la bonne espèce et ensuite la prélever sans l'abîmer, c'est quelque chose quand même d'assez compliqué. Et puis deuxièmement, parce que la nature même du venin de ces animaux ne nous facilite pas la tâche.
Là où par exemple, pour extraire des molécules toxiques, il suffit en temps normal de faire sortir un liquide présent dans des glandes à venin et ensuite de le récupérer dans un récipient, et bien comme nous l'avons vu tout à l'heure, ce venin chez les méduses et les cnidaires de manière générale, il n'est pas concentré dans un seul endroit, mais présent en toute petite quantité dans un nombre astronomique de minuscules capsules. Donc c'est extrêmement plus dur que de juste s'attaquer à des glandes toxiques, là on doit réussir à spécifiquement extraire ce qui est enfermé dans tous les micro-harpons. En bref, accéder à du venin de méduse, c'est vraiment super dur comparé à d'autres animaux. Pourtant, on aimerait vraiment y jeter un coup d'œil, car cela pourrait finir par nous être très utile. Car les molécules identifiées jusqu'ici ouvrent la voie à une possibilité d'utilisation assez vertigineuse, de l'insecticide à la lutte contre l'hypertension, ou encore à celle contre certaines tumeurs. Alors évidemment, il faut rester prudent, ici on ne parle pas non plus de la panacée, mais l'étude de ces composés pourrait peut-être quand même un jour nous apporter certaines utilisations biotechnologiques sacrément profitable. De plus, il faut garder en tête que aujourd'hui, différentes populations humaines sont encore désireuses d'accéder à des antivenins et à des premiers soins plus efficaces pour soigner les victimes de certaines méduses. Vous vous souvenez par exemple des 150 millions de piqûres chaque année dont on parlait tout à l'heure ? Eh bien, même si le pourcentage de mortalité à la suite de ces rencontres est très faible à échelle planétaire, eh bien, il faut savoir qu'il existe cependant des régions où on observe bien plus d'accidents. Ailleurs. C'est notamment le cas des eaux indo-pacifiques, qui comptent plusieurs espèces très dangereuses et où les conditions de vie ainsi que l'accès rapide aux soins ne sont pas toujours optimaux. Et où d'ailleurs le nombre d'accidents humains-méduses est probablement sous-estimé. Car en réalité, à part l'Australie où on a des statistiques assez solides sur le sujet, pour le reste des pays du monde, on est quand même un petit peu dans le flou. Il est donc aujourd'hui impératif de développer de nouvelles techniques pour faciliter l'accès aux venins de méduses, et ce en quantité et qualité suffisante pour faire avancer la recherche et potentiellement sauver des vies. Je vous en mets quelques-unes en description, mais il faut savoir que certaines proposent notamment d'utiliser des limaces de mer pour extraire et trier le venin de certaines espèces de cnidaires. Alors évidemment, cette solution n'apparaît pas forcément comme la plus optimisée, et il est quasi certain que d'autres options seront favoriser dans le futur. Mais il est cependant assez amusant de se dire que devant ce défi scientifique, il est peut-être possible que dans une certaine mesure, nous recevions un jour un coup de main de la part de ces mollusques psychédéliques. Avant de terminer, je tiens aussi à préciser que les méduses sont des animaux fascinants et que même si dans cette vidéo nous avons beaucoup parlé de venin et de mortalité, celle-ci n'a pas du tout vocation à les diaboliser. Comme tout organisme, les méduses ont leur place aujourd'hui dans le monde marin, et plutôt que de vouloir les éradiquer, sans réfléchir, j'espère vous avoir montré qu'il serait plus profitable d'apprendre d'elles. Et ça, c'est d'ailleurs la voie qu'a choisie Angel Yahanigara, la personne dont nous avons parlé en tout début de vidéo. Car après avoir survécu à une méduse boîte, celle-ci s'est lancée directement dans une carrière scientifique qui s'intéresse précisément au venin de ces animaux, et qui pourrait peut-être un jour nous permettre de sécuriser un petit peu plus nos baignades tropicales. La vidéo n'est pas encore terminée. Avant toute chose, j'ai envie de remercier énormément de personnes. Déjà, premièrement, un énorme merci à vous pour être resté jusqu'au bout. C'est quand même un gros morceau de 20 minutes. On n'a pas l'habitude de faire ça sur la chaîne, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo et encore merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas également à me le faire savoir à travers un like, un pouce bleu, un commentaire ou en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je tiens aussi également à remercier toutes les personnes qui ont permis à cette vidéo d'aboutir. Je pense notamment aux personnes qui m'ont aidé pour son écriture, pour sa relecture, personnes qui m'ont aidé aussi tout simplement pour me donner des conseils, ce qu'ils en pensaient, et puis aussi bien évidemment les personnes qui m'ont motivé à continuer cette vidéo jusqu'au bout, puisque celle-ci a pris plusieurs mois à être faite dans un contexte un peu compliqué, je pense que vous savez pourquoi. Je tiens également aussi, pour finir, à remercier Marie de la chaîne Le Boîte à Curiosité pour cette collaboration, pour sa bonne humeur, pour tous les bons moments qu'on a pu passer durant l'écriture et le tournage de cette vidéo. Donc un énorme merci à toi, et si vous voulez en savoir plus sur son travail, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien disponible en description. Et d'ailleurs, si vous aimez les effroyables limaces de mer et que vous voulez en savoir plus, venez directement sur ma chaîne YouTube. On a fait un épisode complémentaire avec Melva où on vous raconte plein de trucs assez extraordinaires à leur sujet. Alors, tu viens ? Viens ? Allez, viens ! Allez, viens, on est bien ! Viens !